Bonsoir, chère Victorine. Bonsoir, monsieur. Vous venez d'où ? Je viens de la Belgique. Et pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Je suis là aujourd'hui parce que c'est le moment le plus merveilleux pour moi. Parce que j'attendais ce moment ici. Il fallait que je vienne écouter la parole de Dieu d'abord. Et j'avais besoin aussi que je sois guérie. Et aujourd'hui, comme je vous parle là, Dieu m'a visité. Vous avez été guérie de quoi concrètement ? Je suis guérie parce que je ne savais pas que je marchais. Comme je marchais, mais j'avais des choses en moi. Comme je peux dire l'esprit qui était en moi. Je ne savais pas que je marchais avec un esprit qui me tourmentait. Qui croit qu'il est Dieu ? Acclame-le. Il est magnifique le Seigneur. C'est son jour à elle aussi. Oui. Ah ah. Ça sort. Ça sort. Ça sort. Ça sort. Et on va et tu le sais. Les démons aiment nous intimider. La puissance de Dieu vient sur la sœur. Ce démon va se mettre à genoux lui-même et il va la quitter au nom de... Yeah.
Nous t'adorons, toi seul. Deux secondes. Maintenant, la puissance de la parole de Dieu s'accomplit dans la vie de ma sœur. À genoux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça me rend compte, mais aujourd'hui, même comme je parle là, ça me fait vraiment... Je n'arrive même pas à parler, donc c'est vraiment trop choquant pour moi. Et puis je remercie Dieu ce qu'il vient de faire aujourd'hui. Je suis très heureuse parce que Dieu m'a touchée, Dieu m'a délivrée là où j'étais, je ne savais pas. Malgré que je marchais, or que j'étais déjà quelqu'un qui était mort, mais je marchais. J'étais déjà mort, mais je ne savais pas que j'étais mort. Mais aujourd'hui, Dieu m'a guéri. Donc, quand je dis guéri, je suis guéri totalement. J'avais mal au ventre quand je venais. Là, comme je vous dis, je n'ai plus mal au ventre. Donc, Dieu m'a visité. Il m'a visité. Et puis, mon mariage, c'était déjà un bout pour que ça finisse, pour qu'on se barre avec... mon mari, mais Dieu a rétabli mon mariage. Donc, je suis dans la joie. Je suis vraiment dans la joie. Dans la joie. Je bénis vraiment Dieu. Et par rapport à l'enseignement d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu as reçu? Ce que je peux dire, j'ai reçu de la part de Dieu. Pour moi, Dieu m'a enseigné comment marcher avec Jésus, comment être ferme dans la parole de Dieu. Donc je ne peux pas lâcher ce que Dieu me dit de faire. Et je vais aussi en même temps donner le message à mes frères et sœurs qui a eu l'occasion de regarder cette vidéo. En tout cas, il ne faut pas rester à la maison. Venez mes frères et sœurs, Dieu nous parle vraiment. Dieu nous parle et puis Dieu visite. Il y a des gens en ce moment, vous qui vous êtes malades, à la maison, dans les hôpitaux, vous cherchez la guérison. La guérison est là. Dieu guérit, Dieu bénit, Dieu délivre. Il faut vraiment qu'on vienne à Christ. Il faut vraiment qu'on vienne à Christ. Merci beaucoup. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. Donc, je vous encourage aussi de venir vraiment. Venez en Christ. Il est là. Il est là pour nous. Et il va faire encore des grandes choses. Merci.